Pardonnez-moi, mais c'était quand même mieux avant. Une discussion avec un moniteur de ski né peu après la guerre m'a conforté dans mes positions réactionnaires. Au petit matin, avant que les minuscules studios déversent une multitude venue décompresser, il est encore possible d'espérer revivre la magie d'antan. Quelque chose a changé. On ne saurait dire quoi. J'ai l'air d'un con, hein ? C'est un indice. De sympathiques fêtes qu'ils étaient, les sports d'hiver se sont mués en une activité fiévreuse. Le ski était, jadis, un loisir bon enfant. On allait dans les stations s'émerveiller des sapins et de la neige, se prendre de petites gamelles et en rigoler, ramasser le chapeau qu'une dame avait perdu lors d'un chasse-neige un peu trop posé. On peut le refaire ! Putain, dépêche-toi de descendre ! Là-bas. Allez, arrête de chialer, tu as peur de rien là ! À présent, les gens s'embarrassent les uns les autres comme des automobilistes entre Aix et Marseille. Aux remontées mécaniques, on s'abandonne à d'insidieuses manœuvres pour passer le premier, tout en veillant à ne pas être percuté par un bolide jailli d'en haut. Car, c'est une évidence, il faut aller vite. C'est le but. L'autre est une gêne ou un danger. D'ailleurs, l'autre n'est même plus autrui puisqu'il est sans visage. Emmanuel Lévinas avait vu dans cette épiphanie qu'est le visage l'infini. La nudité du visage, dans sa vulnérabilité, m'ordonne ce commandement « Tu ne tueras point ». Dans la proximité avec autrui, par-delà l'image que je me fais de l'autre homme, qui a des yeux, qui a un nez, qui a une bouche, qui a un corps, le caractère spécifiquement expressif d'autrui, le visage. Et d'ailleurs, le visage, tout le corps humain est visage. Ce qu'il y a d'expressif en réalité dans l'humain. Mais, de même que derrière les puissantes carrosseries et les vitres fumées des bagnoles modernes, il n'y a ni regard ni expression aucune dans ces casques et ces masques opaques. À cet esseulement que l'on éprouve au milieu d'hommes-machines sans visage, à moins qu'on appelle encore visage la figure congestionnée centrée sur une bouche vorace qui ingère du fromage fondu, on peut préférer la vraie solitude. Celle qui nous vivifie lorsque le regard, d'abord orienté vers le grouillement en aval, change de direction.